Le Juju, il a l'air d'être sur du lourd. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Hein? Tout ça pour ça? Allez, salut à toutes et à tous les amis. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant sur un nouveau spot, hein. Un spot que moi j'ai jamais fait, mais il a l'air prometteur parce que rien qu'au bord, à l'œil nu, on voit des morceaux de ferraille. Donc voilà. Je vais être accompagné de Mathieu, magnétiseur, probablement maniement. Il y a dépollution planète aussi qui est là. Donc voilà, et ben on va essayer de faire une belle dépollution encore une fois. Et on va reprendre. A tout de suite. Première lance sur le nouveau spot. Ça m'a l'air de tirer, mon copain. Ça fait des bubules, hein. Ça commence fort, mon loulou. Alors, est-ce qu'il... Oh oui, putain. La vache. Mais il est collé sur quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, on a du lourd dès le début. Un pot d'échappement. Spot prometteur, hein. Regarde-moi ça. Oh putain, attends, je vais aller le chercher à la main. Allez, une ligne d'échappement complète. Elle est complète, hein. Voilà. C'est le premier lancer, les loulous. Eh ben, ça promet, hein. Ça promet, hein. Bon les copains, je vous explique. Il y en a des pollutions planètes qui viennent nous rejoindre. Et là, il y a une grosse pièce de bagnole qui dépasse. On va essayer de s'y mettre à 3 pour la sortir. Et ça va pas être évident. Le Barbarian, il colle pas assez. Bon. Tu penses que je roule plus de la voiture et je tire avec la voiture? Ouais. Ça, ça va plus facile. Bon. Tiens, faire le grappin. Bon. Ouais, on a essayé à la voiture. Mais même à la voiture, ça bouge pas. Ça a lâché? Ouais, ça a lâché. Il a même pas bougé? Non, ça bouge pas. C'est trop gros, trop envasé. Bon, les copains, on change de spot parce qu'il avait l'air prometteur avec le pot d'échappement. Mais finalement, il n'y avait plus grand chose. Et puis l'échec du grappin. On a essayé d'arrêter là. Allez, vous avez le maniement qui est là, qui vient de nous rejoindre. Le magnétiseur aussi qui est venu nous rejoindre. Donc allez, c'est un beau spot, on l'a déjà fait apparemment, il a l'air d'être propre. Mais justement, on va vérifier ça. Allez, à tout de suite les copains. Bon. Premier lancé sur ce nouveau spot, qu'est-ce que ça va nous dire? Ah ben ça nous dit que j'ai de la ferraille avec le Barbarian, mon copain. Oli non. Oli je t'ai dit. Non. Moi, je commence bien la pêche. Aucune idée de ce que c'est, mais c'est de la ferraille. Ah, le magnétiseur qui nous fait une brochette. Oh il est joli. Tu vois un peu? Oh, il est cramé celui-là, mon copain. Hein. Ouais, mais... Je dis non, pas dans l'eau. Ok. Tiens. Merci. Bon, il y a des pollutions planète qui est bloquée. On va aller lui filer un petit coup de main. Bon, la galère continue. Voilà. On a le terreur qui est bloqué là. C'est où il va essayer à la voiture. Pour l'instant, pas grand chose. Dégage-la. Viens. Ça donne rien même pour l'instant. Bon, et ben j'ai une belle brochette. J'y arrive pas très bien à la rame alors. Une tige filetée, machin. Magnétiseur juste là. On va voir un petit peu. Tiens. Oui, pas grand chose. On va voir. Hein. Ben, un petit peu quand même. Tu vois, comme quoi on a beau venir, ouais. venir. C'est ça. Moi j'ai fait une capsule et toi aussi, comme ça. Moi là, plus tard j'ai fait tout ça là aussi. Ouais, un petit tac là, ça marche.
Bon, on n'est pas très joyeux les copains là, parce qu'on a des pollutions planète qui est dans la merde. Clairement, l'aimant il est bloqué. C'est pas comment on va faire. On réfléchit à ça et on vous tient au courant. Oh, je suis avec un magnétiseur encore. Ouais. On est toujours dans la galère de l'aimant bloqué. Juste là. On essaye tout ce qu'on peut. On va bien trouver une solution. C'est la galère. Voilà, on va essayer parce que bon, laisser un aimant dans l'eau c'est jamais évident et j'aimerais pas être à la place de dépollution planète, donc on continue et on vous tient au courant. Bon, on a un gentil monsieur du coin où on est, je le filmerai pas, je vous montrerai pas le monsieur, mais qui est venu nous porter secours comme il peut, donc il nous ramène un... C'est un truc, c'est ça, un tire fort, enfin... Un palan à chaîne. Donc on va tenter tout ce qu'on peut. D'habitude on en a toujours sur nous, mais là comme par hasard on en a pas. Tu vois, et puis comme par hasard je voulais le prendre. Hein. Bah ouais. Comme par hasard je dis bon allez c'est bon, on va pas. Puis la corde elle a déjà cassé une fois, elle est en train de bien fatiguer encore une deuxième fois. Donc après les cordes c'est pas le problème, on a ce qu'il faut, mais. Bon allez, on va essayer de faire tout ce qu'on peut. Oh, alors montre-nous ton visage souriant. On l'a eu ? Ouais. Il est là. Merci Julien. Ah ouais ouais, mais bon Julien avec sa force mystique il s'est mis en colère et il l'a eu. Hein. Regardez quand je dis que c'est la corde de magnétar, c'est pas costaud non plus. Hein. Donc voilà, il est là, on l'a récupéré. Oh, bon bah voilà Théo, t'es content ? Ouais. Soulagé ? Enfin on l'a quand même récupéré déjà, c'est le principal. T'es soulagé quand même ? Ouais. Hein ? Ok. Bon bah, moi je vais peut-être pêcher un petit peu quand même. Ah, hein, bon, parce moi, que... je peux plus pêcher. Ah bah prends mon barbarian si tu veux, je te le prête. Sinon je coupe la corde et je vais sur le grappin, la corde du grappin. Ouais, allez on vous reprend pour un peu de pêche pour une fin de vidéo. A tout de suite. Bon les copains, je vous reprends là pour vous... Vous voyez un petit peu hein, la galère qu'on a eue avec des pollutions planète. Là c'est des choses qui peuvent arriver et... C'est là l'importance en fait que j'ai envie de vous dire que la chose de ne jamais aller pêcher à l'aimant tout seul. Car il peut vous arriver ce genre de choses et vous pouvez très vite tomber à l'eau et vous retrouver en très mauvaise posture. C'est extrêmement dangereux. Donc nous là on était plusieurs donc on a réussi à se dépatouiller de la situation. Mais ça aurait pu être pire. Il est important que vous compreniez que la pêche à l'aimant, c'est une belle action de dépollution, mais que c'est loin d'être un jeu. Vous avez des trouvailles extraites qui peuvent être dangereuses, telles grenades, obus, et... En fait, voilà, c'est le message que je veux vous faire passer par l'expérience qu'on vient de vivre, voilà, c'est que c'est pas un jeu, les copains, et qu'il faut surtout faire très attention à ce que vous faites et ne jamais y aller seul. N'allez jamais pêcher à l'aimant seul, car c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est une belle action, mais c'est dangereux. Allez, c'était juste un petit message que je voulais vous faire passer. Ouais. Bon, bah on va faire un peu de lancer. Hein ? Après cette galère qui s'en sort, qui se termine bien. Ouais. Un barbarian à l'eau, les copains. Oh, bah même pas attaché. Tu vois, je crois que j'ai pas compris la leçon de ce qui vient de se passer, moi. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais je suis content que ça se termine bien, parce que voilà, quoi. J'aurais pas aimé être à sa place. Ça. Je préfère le dire parce que. Je vais voir, je viens de le jeter. Je m'approche dangereusement du bord, donc si vous pêchez à l'aimant, ne faites pas ce que je fais parce que, bien évidemment. Ouais, bah j'ai la vieille canette, mais elle est fossilisée celle-là, mon pote. Allez. Et toi, t'es collé là ou tu... Qu'est-ce que tu... Là, je ramène, mais j'étais collé. Ouais. Ah bon? Attends, on va voir en direct ce que tu vas... Bah alors? Alors? Pas grand-chose. Ouais, la ferraille du Seigneur. Attends, parce que je sais pas si... Ah bah tiens, regarde. Oh la vache. Ouais, bah je sais pas. Ça là, l'argile, c'est de l'argile, ça c'est de la tuile. Ouais, j'en ai chopé aussi. C'est venu se coller quoi. Sans déconner. Je crois que j'ai un peu de lourd. Oh oui, il y a du lourd là-dessus. Attention au lit. Oh vache. C'est quoi ce truc là? Un poneau.
Non. Je sais pas, mais ça là. Ça, je ne sais pas. Eh, viens là. Ah, ça, si vous savez, les copains, vous me le dites. Je vous montre. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Hein? T'es où? C'est pas? Un bateau, ça. Sûrement, oui. Et après, est-ce qu'il reste une vieille plaque? C'est ça, le tapis, c'est lourd en plus. Ok, bon, bah j'arrive à remonter un petit peu quand même. Malgré les blocages à la con. Oh bah regarde, regarde ça. Du bois. Ah non, j'allais dire t'as un fil de pêche, mais non, je pense pas. Oh si, 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 t'as un fil de pêche. Si, si. Bon, magnétiseur qui semble nous faire un vieux... bidon. Ça, ouais. Ça, c'est un vieux bidon d'huile tout pourri, on va savoir. Ouais. Aucune idée. Tout pourri. Ouais, si vous savez. Mais vite. Oui, c'est tu colles là-bas? Ouais. Rien du tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec aussi, là. Oui. Putain, c'est quoi ça? Un cadenas. Un cadenas? Ça a l'air, hein. Non. Je sais pas, mais regarde, il y a du fileté. Ouais, non. Bon, vous êtes pour le maniement, hein. Je sais pas. C'est bizarre. Il y a un filet dessus, quoi. Sans déconner. Ouais, bah, c'est dégueulasse, quoi. Voilà. La boîte. Brrr. Ça a l'air de venir. Je pense. Ça bubule, hein. Ouais, pas mal. Non, rien du tout. C'est basique. Un peu, ouais. Il dit rien dans son coin. Bah ouais, c'est ça, c'est Mathieu, il dit rien dans son coin, mais il nous en fait des belles. Tranquille. Oh, regardez, du coup, là, du coup. Mathieu nous fait un petit cric, ouais. Un petit disque de frein, j'ai l'impression, tranquillement, quoi, un petit poste radio. Ça va, toi, tu... Hein? Tu te mets bien. J'ai essayé d'être discret, puis au final... Ouais, mais bon, quand tu remontes du beau, la discrétion, c'est plus vraiment ça, j'ai envie de te dire, hein. On va finir... Ah, joli, hein, bravo, hein, franchement. On va finir ici. Ouais, sur ce beau spot, là, magnifique. Ok, ouais, bah écoute, franchement... J'ai pris tes affaires, monsieur. Ouais, nickel. Prometteur. Prometteur. Lili, tiens, tiens. Bah écoute... Écoute, je sais pas. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la ferraille là-dedans. Mais c'est quoi? Oh bah, c'est un crochet. Regarde. C'est juste ça. C'est juste ça. Ouais. Bon. Et toi, Damien, tu refais rien? Rien du tout. Rien du tout. Eh ben, t'as pas de chance. Ouais, non. Ah, allez. Théo me dit que c'est un vieux repose-canne à pêche. Donc, s'il me le dit, hein, je vais y faire confiance. Bah, va voir le monsieur s'il veut, je sais. Voilà. Ok. Un vieux repose-canne. Il y a un pêcheur là-bas, je vais aller le voir, je vais lui proposer. Allez, on continue. Ouais, maniement, il vient de nous faire une belle barre. C'est bizarre, hein. Accroché à du fil. Du grillage autour. Bah ouais, là, il y a un pied en caoutchouc. Le pied, il est en caoutchouc. Ouais. Donc, j'ai aucune idée de ce que c'est, ce truc-là. Bah, s'il y en a parmi vous qui savent, hein, vous nous le dites. Il y a là, Tom et toi. Allez les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, fin de pêche à l'aimant, enfin, en tout cas pour moi. Ça n'aura pas été une des plus belles, hein, parce que... Hein? Hein Théo? On a plus chié que des pollués, mais c'est des choses qui peuvent arriver également, ça fait partie de la pêche à l'aimant, et voilà. Donc voilà, allez, on est encore réunis tous aujourd'hui pour une bonne dépollution. On vous remercie, et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo de pêche à l'aimant. A bientôt les amis, salut.